Retrouvez tout de suite Plus belle les news, votre magazine d'information sur Plus belle la vie. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison de Plus belle les news, votre magazine d'information sur Plus belle la vie. Au programme de la première édition hebdomadaire de cette saison 4, dont vous avez pu voir un aperçu en pré-générique, tout d'abord le résumé des épisodes 1746 à 1751 de la semaine dernière, puis les arrivées des départ-retour à venir au Mistral. Suivra ensuite PBLV Delirious, avec en bonus aujourd'hui non pas une, mais deux des scènes les plus comiques de la semaine précédente. Enfin, nous clôturons cette édition avec l'enquête qui, tout au long de l'été, s'interrogera sur les guests que vous aimeriez revoir dans Plus belle la vie. Ainsi, chaque semaine, 10 nouveaux guests seront soumis à vos votes et vous pourrez voter pour ou contre leur retour dans la série sur notre blog. Très bon visionnage à tous et à tout à l'heure. Mais de toute façon, j'ai bien réfléchi et je pense pas qu'il soit mort. Mais c'est vrai, Roland a raison. Il avait juste besoin de faire un break, il va revenir quand il ira mieux. Monsieur Gandolfi vous a fait une offre. Si vous la refusez, il va prendre ça pour un affront. Donc, je vous conseille d'accepter. N'ayez plus la main, vraiment. Je suis désolée, je comprends pas bien, là. Votre téléphone était sur écoute. Vous savez qui a fait ça? Ouais. Et maintenant, c'est nous qui allons manipuler ce salaud. Non, je sais pas. Les nouveaux acquéreurs se sont manifestés qu'hier. Nouveaux acquéreurs? Oui. On a eu une proposition de 30% supérieure, c'est bien, hein? Non, mais quand même. 30%, c'est une sacrée somme. Je suis sûre qu'au fond, vous me comprenez. Elle m'a été faite par un certain monsieur Narcier. Espèce de salope. Elle est morte! Tu as essayé de me doubler, fumier. Narcier, je vous en prie. Lâchez tout de suite cette arme! Pas de mouvement brusque. Allez. Merde. S'il vous plaît, lâchez-moi. Mal, je termine. Police, 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 police. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. J'ai peur. J'ai cru qu'on allait pas arriver. On est là, ça va aller. Longtemps que t'es là? Non, je viens d'entrer. C'est toi qui t'es occupé de lui? Oui. Comment il va? Mieux. La fièvre a baissé et il n'y a plus de risque de septicémie. Un lit d'appoint. Attends, est-ce que c'est toi qui obligatoirement dois soigner Jonas? Non. D'accord. On est plusieurs externes dans le service. Alors je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Qu'est-il de Monsieur Gandolfi avec qui on vous voit depuis plusieurs mois? Je vois pas de qui vous parlez. Quels sont vos rapports avec lui? Vous travaillez pour lui? Vous faites des affaires ensemble? Je vous dis que je ne sais pas de qui vous parlez. Je prie, Céline. Même si tu réussis à me sortir de là, je recommencerai à faire n'importe quoi, de faire souffrir des gens. J'en ai assez de tout ça. J'ai pas envie qu'un jour on me reproche de t'avoir laissé tomber. Alors je sais pas comment, mais je vais te sortir de là. Non! I'm just a boy for a baby, it's so cruel.
Ah non, je veux pas te déranger, je vais le prendre chez moi. Ah bah non, mais ça me dérange pas, tu sais, je prends une cafetière, je mets de l'eau, du café, ça fait du café. C'est cool, non, mais je vais pas abuser. Salut. Alors, prête pour l'anglais? Oui. Tu veux que je te fasse réviser? Non. Allez. Comment on dit, je kiffe un mec grave? Connard. Non, c'est pas ça. I'm deeply in love with the boy. Come on, repeat after me. I am deeply in love with the boy. Je suis désolée, hein. Mon frère est très très con. Alors il se soigne depuis 2 ans, mais les médecins peuvent rien faire pour lui. Ouais, il trouve rien, mais j'ai bien compris hier qu'il aimait bien les blagues lourdes. Oui, voilà, c'est ça, mais en fait c'est le roi de la vanne de merde. Mais c'est super, Sybil, t'as enfin trouvé un mec avec qui t'entendre, c'est cool. Voilà. C'est fantastique, je suis très contente d'avoir trouvé quelqu'un qui comprend enfin mon calvaire. En attendant, tu ferais bien de réviser, non? T'as des points à rattraper pour le bac. Oui, alors, pas des conseils, tu les gardes. D'accord. Je te fais du café, là? Ouais. Non, pas toi. Non. Excuse-moi, mais... Pourquoi tu casses ta sœur comme ça tout le temps, là? C'est un truc entre nous, ça. Enfin, je la casse, elle me casse. Mais au fond, on s'aime bien. Ouais, t'as pas l'impression qu'elle en prend un peu plus dans la tronche? Moi, je dis ça, moi, ça me regarde pas, hein. Vous avez besoin de la salle de bain? Non. Eh ben, j'y vais. Comment il t'a cassé? Mais comment il t'a défendu? Il est génial, ce mec, hein. Il te kiffe grave. Non, franchement, t'as raison, il en a rien à foutre, Denis, non? C'est bien. Tu peux me passer le pain, s'il te plaît? Merci. Pauvre con, hein. Oh, ça va pas, oh! Voilà, Plus Belle les News, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce week-end pour une toute nouvelle édition. En attendant, retrouvez toutes les infos sur notre blog plusbellesnews.skyrock.com. Donne-moi sa limite. Donne-la.